Salut YouTube! Tu voulais une visite en hélicoptère de Verdansk? La voici. Abonne-toi, commente, bonne chouachin. Peace. Du coup, c'est parti les gars pour un petit tour de map! Vroom, vroom. Ok. Pour les personnes qui ont une connexion horrible ou tout simplement qui n'ont pas accès à la nouvelle map. Je vais vous faire un tour de la nouvelle map, des nouveautés. Voilà, comme on peut le voir, c'est le nouveau quarry. Ils ont rajouté des mines de sel. Là où il y avait les tentes, il y a cet énorme échafaudage. Ce gros échafaudage, chat. Hop. Du coup, hop là, on regarde un peu les nouveautés. Il y a des nouveaux bâtiments. On va se balader les gars, on va faire un petit tour, un hélico-tour de la zone. En gros, pour présenter un peu à tout le monde comment c'est. Je trouve ça sympa comme idée. L'office. Ah les gars, c'est chaud tourisme. Alors là, on peut voir, regardez les gars. Quand je parlais de nouveaux bâtiments, ça y était pas avant ces bâtiments là. En fait, à la place des tentes... Maintenant, il y a quasiment plus de tentes. Il y a des espèces de gros dojos. Il y a toujours pompiers, tu vois. Il y a toujours les bâtiments bien symboliques. Et là, on va arriver à la zone vraiment qui a été entièrement refaite. Il y a la drame bazooka. Ah, déconnez pas, les gars. Et là, du coup, on est dans cette zone-là. On est à Summit. Donc Summit, très très stylé. Hein. Il y a un aéroport, il y a une... T'imagines des mecs qui se posent là? Comment ils enculent le jeu? T'imagines ça? Juste imaginez les gars, ça se finit là, il y a une team qui se pose là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais gros? Elle y est ma man. Allez hop. Du coup, on a ce petit truc là. Frappe dessus. Ouais, mais t'as pas de frappe, gros. C'est la rue, hein. Vraiment, c'est la rue. Ah, on a une sorte de mini quarry là-haut. Genre, ça, c'est vraiment le bâtiment campeur par excellence. Hein. Ils ont foutu un bâtiment triple étage, une seule maison dans un petit bord de zone. Ça fait vraiment penser à un bâtiment Fortnite, je sais pas pourquoi. Pour moi, c'est directement ça que ça me dit. Hop. On va passer voir les... on a vu tout le haut de la map. Et là maintenant, on va aller faire un tour, les gars. Mais, là, on a Storage. Storage qui est sympa. C'est sympa, ça a pas beaucoup changé. Ce petit coin, ça a pas changé. Et là, on atterrit sur un coin, les gars. Vraiment, ça a changé de ouf. Superstore, ça va. Mais là, on a Factory, les gars. Mais Factory, ça existait pas du tout. On a tous ces bâtiments là qui sont nouveaux, tous ces trucs, là c'est toute une zone qui a à apprendre. C'est une zone immense à apprendre. Et avec des power posts qui sont vraiment pas mal, parce que là tu peux avoir une visu du coup de sur absolument tout. Tu vois, c'est quand même ultra intéressant. Pourquoi est-ce que t'as un mec qui joue sa vie là? Regarde-le les gars, il va se cacher dans le truc là. Pète pas. Bon, ok, j'ai fait une petite escale, les gars. Il me reste un hélicoptère là-bas. J'ai fait une petite escale histoire de défoncer un mec parce qu'il méritait vraiment d'être défoncé. En plus, il y a un hélicoptère juste là. Je le savais. Il a pas résisté. Chat, vous me connaissez, vous savez que j'en suis incapable. C'est quoi le nouveau contrat?
Quel nouveau contrat? T'as été subgift toi, non? Bon, allez, on continue notre visite. On se fait tirer dessus, les gars. Bon, là, c'est les hangars, toujours pareil. Le contrat Adler. Renseignement Adler. Ah! Ouais, mais c'est le truc à faire en mission spéciale, ça, les gars. Quand on est dans le menu, c'est ça? Ah, ça, c'est Petit Village, les mecs. Et juste au-dessus de Petit Village, t'as ces tentes qui sont devenues un bâtiment. T'as, pareil, les deux bâtiments. Le bâtiment qui était pourri, là, ben, c'est devenu un très joli bâtiment. On a une fontaine. Le stade! Le stade, les gars, qui s'est fait atomiser sa grand-mère. Le stade sur lequel ben, tu peux te poser. Voilà, là, tu fais un hélicoptère. Tac, tu te poses sur une surface bonne. Bonne surface. Hop là. T'es posé, gros. Et on va en profiter pour faire un petit effet de vitesse et passer dans la plus belle, les gars. Dans Downtown. Downtown, où finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé à part des détails. Vraiment, c'est des détails. C'est les couleurs, c'est les bâtiments, c'est l'intérieur. Et, ah ouais, ouais, bon. Ce bâtiment, les gars, il a changé immensément. Maintenant, alors, vous avez un premier étage pour camper, un deuxième étage ainsi que le toit. Vous pouvez monter là-haut. Mais il y a aussi, il n'y a pas que ça, il y a aussi ce conteneur dans lequel vous pouvez aller. C'est marrant. Pompier, pareil, les tentes, ça n'a pas changé. Attention les gars, on va passer à un endroit qui nous tient tout particulièrement à cœur. Un endroit qui est dans notre âme. L'hôpital. L'hôpital, les gars, qui est vraiment la maison. C'est cet endroit qu'on aime. Et pour savoir ce qui a changé, mais les gars, il y a, à part le design des bâtiments, il n'y a absolument rien. Hop. On va partir un peu sur la droite de la map, que je vous montre les nouveautés qu'il y a là-bas. Ça vous fait plaisir, les gars, la petite visite, pour ceux qui n'avaient rien vu encore. Regardez. Est-ce que ça fait pas giga vieux? C'est la vieille gare russe. Carrément, bon, nickel chat. Nickel, ça vous plaît bien. On a tout vu. Bonnet Yard, ça a pas bougé. Hop. Et je vais aller vous montrer du coup les derniers trucs intéressants. Vous avez tout vu, il vous manque parc. Ce truc, prison. Donc je vais aller vous le montrer. Et après, mais je me foutrai dans un mur et voilà, ce serait... Peut-être on fera une dernière game. Peut-être que je mets juste un petit dernier coup de pale d'hélicoptère à un mec. Faut pas que je perde. On y retourne, les gars! Donc, vous avez pu visiter le nouveau goulag. Ça me tenait à cœur que vous puissiez le voir. J'aurais été dégoûté qu'on vous propose pas cette visite. Alors que pour moi, c'est tout simplement le B.A.B.A. Et qui voilà, j'ai un hélicoptère ici juste pour moi. C'est que le troisième de la partie. Bon, alors on est sur un serveur, il y a un tout petit peu de perte de paquets. Mais il faut pas s'inquiéter. Ah, apparemment il était à quelqu'un cet hélicoptère. Quatrième hélico le Lord. Ah ouais, c'est vrai, j'en ai foutu un autre sur quelqu'un.
Ah mais écoutez les gars, une visite d'une ville entière aussi grande que ça a un prix. Quatre hélicoptères et peu payés pour tout ça, j'ai l'impression. Bonjour. Au revoir. Attends. Mon cher monsieur. Arrête les hélicoptères, arrête! On prend l'hélicoptère comme c'était prévu. Et on va partir Farmland. Cette visite est pleine de surprises. Attends, par contre, c'est le dernier hélicoptère, gros. Ok, faut pas que je fasse de la merde avec, là. Il voulait foutre en l'air la visite. Ah, les gars, ça se fait pas. Du coup, alors Farmland, il y a un très beau bâtiment en plein milieu. Dédicace, Alexis, toi tu sais. Il y a un très très beau bâtiment, les gars, en plein milieu. Donc, hop, on est sur. Enfin, tous les bâtiments ont bien évolué. C'est giga joli. T'as des. Il y a ce bâtiment qui est complètement nouveau. Il n'existait pas avant. Donc, grave sympa. Oh merde. Une balle de snipe et j'ai plus d'hélicoptère et je dois vous montrer la prison. Ok les gars, on est bien. Et donc, le dernier truc que je devais vous montrer les gars. Ah non, il y a le port aussi. Il y a la prison qui n'a absolument pas changé les gars. Vraiment, c'est elle quoi. On a cette zone qui est redevenue comme avant. Du coup, il y a eu le bateau, il a complètement disparu. Les zombies, tout ça. Il n'y a plus. Et le port, les gars. Et le port. Là, comme ça, port, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu des grands changements, à part les couleurs et le design des bâtiments. Je vois pas de bâtiment particulier qui a changé. On a Lumber qui est dans le gaz. Je peux quand même vous montrer un peu de loin, là. C'est re-Farmland. Moins de grues. Il y a moins de grues. C'est vrai, avant il y avait 5-6 grues, là maintenant il n'y en a plus que 3. C'est bien ça. Et voilà les gars, on aura fait un tour. Bon mais maintenant je vais essayer de gagner la game les gars. Et voilà. Oh. Je suis touché. Est-ce que vous avez déjà gagné une game les gars avec 20% de perte de paquet? Je pense que c'est impossible. Sans jouer, tu fais 5 kills. 4 de plus que le mec en zone finale. C'est vrai, putain. Je me suis jamais rendu compte, tu vois, à quel point ça devait être chiant pour les gens de camper. Là, genre, je vous ai fait la balade. On est zone 3. Il reste 45 personnes. Je suis sûr qu'il y a des gens qui campent en mode hardcore et qui se font chier, les gars. Je le ressens. I feel that, yeah. Ouh, 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 ouh